L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. 7h30, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 10 mai et bon réveil en notre compagnie. Merci de votre fidélité. Avant toute chose, vos prévisions météo du jour avec enfin une belle journée ensoleillée, digne du printemps et des températures d'ailleurs de saison. 19 degrés de prévu pour cet après-midi. Voilà enfin des valeurs saisonnières. Attention, ce matin, le temps sera quand même assez frais. Un petit 4 degrés affiché en tout début de journée. Mais cet après-midi, un beau ciel bleu sans nuages et des valeurs printanières. On en reparle juste après ce journal. Sur les routes, l'image de l'agglomération avec toujours cet accident de signalé à hauteur de la chapelle d'Armentières sur la 25, dans le mauvais sens d'ailleurs, le plus fréquenté le matin. Dunkerque vers Lille. Ralentissement habituel aussi sur la RN41 jusqu'à Anglos, sur la 1 jusqu'à l'Équin et la 23 également jusqu'à l'Équin pour s'approcher de Lille. Soyez prudents sur la route, l'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. L'actualité en images d'abord sur Grand Lille TV pour évoquer la journée de l'Europe hier à Tourcoing avec plusieurs dizaines de jeunes mobilisés pour faire briller l'événement. Plus largement, l'ensemble scolaire EIC de Tourcoing vit à l'heure européenne cette semaine en accueillant avec le soutien de la municipalité 7 délégations étrangères du projet Erasmus plus Act City. 22 personnes issues de ces 7 pays d'Europe sont ainsi accueillies toute la semaine chez des habitants. Un projet citoyen et d'ouverture réunissant ces 7 pays plus la France depuis près de 2 ans et concrétisé cette semaine par cet échange des cours en commun et d'autres outils de partage. Explication en complémentaire au micro de Xavier Silly, présent hier pour Grand Lille TV à Tourcoing. Les temps forts, donc vraiment c'est ce matin. Ça sera également donc mercredi après-midi, on a l'intention d'aller sur Lille, faire un city tour, de faire découvrir le vieux Lille. Et puis jeudi, nous serons donc sur Nausicaa toute la journée, parce qu'en fait, Nausicaa est le centre international de la mer. Et dans le projet de citoyenneté européenne, il y avait l'éco citoyenneté, et donc c'est une partie donc du projet, un des modules, entre autres. Il y en avait d'autres, il y avait donc la liberté d'expression, hein, puisque effectivement on a des pays pour qui la liberté d'expression n'a pas toujours été évidente, donc les pays de l'Est, puisqu'on a la Lituanie qui est là, on a la Roumanie, on a la Turquie également, donc voilà, c'est une grande fête pour tout le monde. Et puis, sachez qu'un autre événement dans le cadre de cette journée de l'Europe se tient aujourd'hui à Lille, au CRIJ, une après-midi spéciale pour découvrir tous les dispositifs de mobilité à l'étranger. À disposition ont des jeunes. Rendez-vous de 14h30 à 16h30 aux 2 rue Nicolas Leblanc à Lille. On reste à Tourcoing pour évoquer plus gravement cette fois un cas de harcèlement au travail lors d'une grossesse. Nos journalistes ont rencontré hier Vanessa travaillant en tant qu'agent d'accueil et qui accuse aujourd'hui son employeur de pression et de harcèlement à la suite d'une fausse couche. Après des douleurs ressenties dans le bas du ventre, Vanessa a dû quitter son travail pour se rendre aux urgences, mais elle a perdu son fœtus et a dû être arrêtée 2 semaines le temps d'évacuer l'embryon. À son retour, elle a constaté qu'il manquait ses effets personnels sur son bureau et assure que son employeur chercherait depuis à la remplacer et la pousserait même à démissionner par divers moyens de pression. Mais Vanessa est depuis donc en dépression et veut surtout tourner la page de cette affaire. Son témoignage sur Grand Lille TV recueilli par Vincent Vieille. Ah non, bah non, 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 bah non. Je vais être perdante, moi, dans l'histoire. Et c'est trop facile pour eux. Parce qu'une fausse couche, comme la CGT m'a dit, c'est pas. Ils auraient dû déjà d'une appeler les pompiers. Ils ont même pas appelé les pompiers. Certes, j'ai pas perdu le sang, mais quand j'étais aux urgences, en faisant la prise de sang, ils ont bien vu que mon taux baissait. Donc c'était le processus de la fausse couche. Donc j'aurais pu très bien perdre le sang le 24 même. Mais là, en fait, c'est aucune empathie, en fait, au niveau de l'employeur. Et c'est ça qui me dérange, parce que moi, j'ai toujours fait du bon travail, j'ai toujours été à l'écoute de la clientèle, j'ai jamais fait en sorte que mes problèmes personnels viennent empiéter sur ma vie professionnelle. Et le seul moment où j'avais besoin que mon employeur soit avec moi, il l'a pas du tout été. Et dans le reste de cette édition, 7h34 en direct sur Grand Lille TV. On évoque aussi les courses de la braderie délocalisée, vous le savez, cette année sur le Grand Boulevard par mesure de sécurité. La ville de Lille ne souhaitant plus assumer seul l'événement. Le 10 km et le semi-marathon emprunteront donc cet axe reliant Lille à Roubaix et Tourcoing. Les inscriptions sont d'ailleurs déjà ouvertes sur Internet et sachez que ceux qui étaient inscrits l'an dernier sont automatiquement réinscrits déjà pour cette édition 2017. Au niveau du parcours, si tout n'est pas encore définitivement acté, on peut imaginer un départ au
au niveau de l'arrêt de tramway Botanique, à la Madeleine, puis la traversée des mini-tunnels jusqu'à Tourcoing, demi-tour au pont hydraulique avant de repartir vers le Croisé-la-Roche pour rejoindre ensuite Roubaix et enfin revenir vers la Madeleine. Le village animation devrait être lui installé place du théâtre à Lille au pied de l'Opéra. Explication au micro de Vincent Vieillard. Ça dénature pas. En plus, le Grand Boulevard va offrir quand même une qualité de course aussi, un circuit assez rapide, puisqu'on l'avait expérimenté il y a quelques années avec la Nocturne qui existait entre Tourcoing et Lille. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise de ce côté-là. Donc en termes de parcours, ce sera aussi rapide ou presque que ce qu'on pouvait récupérer. Et puis après, nous, on va mettre des animations aussi sur le parcours. Donc les gens s'y retrouveront, je pense, très fortement. On aura la réponse, évidemment, le 2 septembre. Et toutes les infos, évidemment, quant aux courses de la braderie 2017, le parcours, les inscriptions, les horaires sur semi-marathon-lille.fr. La date, elle, évidemment, le premier week-end de septembre, soit le samedi 2 septembre 2017. Pour terminer, et ce journal tout autre chose, un point sur les tendances coiffure de cet été, car si l'on pense souvent aux collections des différentes marques de vêtements, printemps-été, automne-hiver, la coiffure, elle, connaît aussi ses propres tendances. Court ou long, bouclé ou lisse, tressé ou non, quelle couleur, brun ou blond, bleu ou même rose, pourquoi pas, quelle sera la coiffure à ne pas manquer cet été? Explication avec un gérant de salon de coiffure, Laurent Delafoy, au micro d'Alexis Tessier. J'ai parlé un petit peu technique, on va avoir beaucoup de lobe et de wob. Lobe, c'est un carré long, un petit peu wavy, et le wob, c'est quelque chose d'un petit peu plus court, avec exactement la même texture. La boucle revient énormément, le tressage, ce côté un tout petit peu ethnique qui est mis en avant. On va rajouter cet été des hair piercings dans les cheveux, c'est-à-dire qu'on va rajouter des petits accessoires qui vont faire que ça va donner de la personnalité. On va tresser avec des tresses un petit peu grunge, de façon à avoir un côté un petit peu naturel, décoiffé et en même temps très actuel et très tendance. Ouais. Et puis pour être tout à fait complet, encore un peu de sport avec du basket et la finale de la Ligue féminine, le SBV à Lille Métropole. On était un partout dans son duel avec Montpellier et joue le troisième match ce soir à domicile au Palatium, 20h30, cette rencontre diffusée en direct sur SFR Sport 2. Toujours en basket chez les garçons du LMBC, victoire hier face à Poitiers à domicile pour la 32e journée de Pro B. Les Lillois se sont imposés 73-68 et confortent ainsi leur quatrième place. De bon augure avant le début des play-offs dans quelques semaines. 7h37 en direct dans un instant, vos prévisions météo et l'infotrafic en ce mercredi 10 mai. Et belle journée à toutes et à tous.